Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la playroom de l'épisode de Robocraft, toujours dans les Robocraft Days sans nouvelles de la tour ni rien, c'est la dèche la plus totale. Bref, donc nous sommes avec le Eagle, hein. Hop, et nous en profitons pour voir que nous ne serons pas à même de voler. Dommage, je l'ai raté. Ok. Génial. The middle fusion tower has been captured. Je la sens très très bien cette partie, soyez honnête, hein, je la sens même extrêmement bien. Hop. Putain, il s'est arrêté, le sac. Ok, il reste plus grand chose de mon Eagle. On va essayer de se mettre à couvert quelques secondes. Voilà. Hop. Bouffe-toi ça dans le nez déjà. Alors lui, il farme le spawn littéralement, hein. Oh la gueule. N'exagérons rien. Mais putez-le ce machin là, putain. Oh la gueule. Alors, entre l'autre mou du gland qui farme le coin là-bas. Oh la gueule. Ah, puis quand on voit ce que c'est, on se dit que c'est complètement déséquilibré. En vrai. Mais enfin bon, c'est pas grave. Hop. Moi aussi je peux repartir et attendre au spawn. Peut-être ça que je vais refaire. Hein. Un hélicoptère. Je sais que le mien est pas top top top, mais il est rigolo à jouer quoi, donc bon. Alors. J'ai touché. Hop. Dommage. T'es pas sérieux? Oh putain, il fait que ça. Ah la gueule. Il ne fait que ça. Mais enfin bon, c'est pas grave. Il rentre et il ressort. Ça a un petit côté extrêmement sexuel tout ça, chers amis, soyons honnêtes. Ouais! Merci de me laisser le droit de voler. Hop. Ok. Ah mais c'est bon, il fera pas de dégâts lui. Hop. Parfait. Est-ce que quelqu'un pourrait prendre la peine de buter cette saloperie? Ok. Oh la gueule. Merci. Hop. Un tout petit peu de régène, s'il te plaît. Je suis pas du tout au bon endroit. Je devrais être haut dans le ciel. Gars, je devrais être haut dans le ciel. Nom de Dieu. Ok,
Je devrais être haut dans le ciel, je précise. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que... Ah oui. Et donc, ouais, d'accord, ok. Merci les mecs. Donc apparemment, ce qui marche bien, c'est les gros trucs avec plein d'hélices derrière. C'est génial. Vive la création. Un gros cube. De toute façon, c'est comme le Tesseract. Hein. Ce qui marche bien, c'est un gros cube cheaté. Donc, cool. Ok, il y en a un qui s'est pris des tirs directement contre le bouclier. C'était génial. Hop. Ok. Ils ont capturé un truc, je me barre. Quoi? J'aimerais bien savoir. Leur point peut-être. Il s'est bouffé une salve en plein nez, j'ai pas réussi à lui péter son équipement qui est devant. Hein? Soyons honnêtes, hein, c'est bizarre. Ok, on y retourne. Hop. Excusez-moi. Oh là là. Hop. Il me saoule, je vais la rester au bord. Ok, on y retourne. Hop. Faudrait que je vois, est-ce que je dois faire ça ou pas, je sais pas. J'ai une petite idée qui me monte dans la tête là actuellement, ça pourrait être sympa on va dire. Oh la gueule. Non, pas toi, pas encore. Oh la gueule. T'as pas d'huile? Merde. Est-ce que Azerco... Oh merde. T'as mis ton armement en marche, hein. Your bottom fusion tower is under attack. Hop. Your bottom fusion tower is under attack. Hop. Merde, je pique du nez littéralement. Non, je suis désolé, là, non, faut pas exagérer non plus. Est-ce que quelqu'un peut péter la gueule à cet enfoiré, s'il te plaît, merci. Hop. Petit coup de régène, mais je pense que je vais crever. Je survis. Non. Ah, la gueule. Je vais rester cloué au sol, voilà. Dommage. Dommage, dommage. Ce truc. Il est encore plus petit que le mien. Je suis sûr que ça le fait... Je vais encore me prendre des tirs. Ah mais il me saoule. Je vous promets qu'il me saoule.
C'est pas lui, mais il me saoule. Et puis il me saoule d'une force. Il est génial son truc par contre à lui. Il vient faire du cac quoi, littéralement. Même si on sait que le cac, moi de ce que j'en ai vu, c'est pas efficace. Hein. Mais enfin bon. Peut-être que c'est à cause de ma connexion, hein, je sais pas, hein, j'imagine. Faut bien trouver une raison. Hop. Oh non, pas encore. Oh la gueule. On peut vraiment pas voler. Hein. Enfin, c'est pas l'autre trou du cul, c'est ces trucs là qui me font chier. Ok, on peut repartir s'il vous plaît, merci. Ah, j'ai pas réussi à le voir. Ouais, ils les ont eu, GG. GG. J'avoue, les niveaux 55, best balance ever. Le pauvre. Ah, j'ai pas vu le score, dommage. J'ai pas regardé. Quel imbécile je fais. Moi, ben voilà une première game qui est intéressante. Donc je pense que dans la deuxième, comme dans le précédent épisode, on va partir avec le Ninja Turtle pour voir le bouclier, ce qu'il donne. Hop. Et hop. Et moi je vous retrouve tout de suite, chers amis, à tout de suite. Et hop. Voilà, re, chers amis. Allègrement re. Je sais pas si ça devait dire quelque chose ou pas, je suis perdu de toute façon. La compréhension des choses est complètement différente maintenant. Hein. Maintenant que j'ai un bouclier, tout est différent, ou pas. Parce qu'aujourd'hui je rêve d'une banque. Non, je rigole, je ne rêve pas. Rapté, t'es vraiment nul en tant que snipe. Oula, hop. D'accord. Je sais pas à quoi tu sers, toi tu restes derrière moi tout le temps, c'est pas que c'est saoulant, mais. Aïe, mais putain! Je rêve, ils m'ont foutu avec une équipe encore où il n'y a pas un seul ennemi volant. Vous êtes doué les snipes. Hein. Non, je passe derrière. Dommage. Ah, un ennemi volant. Ah, et putain, il s'amuse qu'à sauter comme ça. Oh, la gueule. Vous êtes pas sérieux, les mecs, là. Parce que si vous êtes sérieux, ça me va, hein, y a pas de problème. Oh, quel dommage. Hop. Balleur. Oh mais non. Laissez-moi régén en paix, bordel. J'ai le droit de régén en paix. Merde. Est-ce qu'il y a un ennemi volant qui voudrait bien sortir de sa... Putain de jeu de merde. Oh la gueule. Putain, regardez la vitesse à laquelle il m'a enlevé 50% de mes points de vie, cette merde. Alors que moi, j'en chie. Bon, c'est pas grave. Copieur.
Est-ce que je peux avoir un coup de main, s'il vous plaît? Parce que je me sens incroyablement seul. Tiens, ça t'apprendra. T'as tout fait pour nous. Hop. Gah. Ah, j'avais mon bouclier aussi, j'ai été complètement con. Hop. Il va me passer devant, bah oui. Je veux le kill. Donne-moi le kill. Et non. Mais tu sers à quoi? Pourquoi t'avances? Pourquoi t'avances? Nom de Dieu! Hop là. Pourquoi t'avances? C'est pour pas tirer quoi! De toute façon, ils ont mis des trucs anti-aériens. Hop. Dans un niveau où il y a qu'un ennemi. Enfin, dans une équipe adverse, enfin avec une équipe adverse, qui n'a qu'un seul ennemi, quoi. Et anti-aérien. C'est débile. Des chasseurs qui sont invités à chasser la truite dans un étang. C'est débile. C'est complètement débile. Hop. Merde. C'est complètement débile. C'est absolument débile. Je suis désolé hein, mais le matchmaking est vraiment moisi. Incroyable. Your middle fusion tower is under attack. Spotted. Hop, voilà, excusez-moi, j'ai eu un blanc. J'ai eu un brain fart, littéralement. Ah, il me saoule ce truc là. Et bien sûr. J'aurais dû utiliser mon bouclier en plus, j'ai été stupide. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir droit à des ennemis un peu plus volants, un peu plus aériens? Parce que j'en vois un qui tire dans quelque chose. J'en vois plein qui tirent dans quelque chose. Je ne vois pas dans quoi. Je crois qu'on se fait, on se partage tous un seul ennemi volant, ce qui est catastrophique. Bon, enfin bon, c'est comme ça. On va voir si on peut grimper là. Ah, j'aurais juré que oui. Quel dommage. C'est véritablement dommage. Ah, il me saoule ce truc là. Ah non, pas encore toi. Tu me permets que je touche ou pas? Raté. T'es sérieux là? Donc on en... y a un sniper qui se bat en plein milieu de la map et il n'y en a pas un pour lui tirer dessus. Ça y est. Ça y est, il se décide.
Ok. Alors ça n'a pas voulu exploser en fait. Quoi? Il s'est fait bombarder par quoi lui? Ok. Hop. Ok. Et c'est quelqu'un d'autre qui le finit. Hop. Hop là. 106, chers amis. Ça monte. Alors nous sommes, attention, on est très très loin du score. Hein. Voilà, on est pratiquement avant-dernier de notre. On est avant avant-dernier de notre équipe. Bon. Eh ben écoutez, c'est pas si mal. On remonte bien les crédits qu'on a dépensés juste avant. Level 106, bon. Oh. Cessez de me montrer mon niveau. Cool. Oui, ça c'est cool. D'ailleurs, je pourrais presque. Tiens, je vais même voir si je peux. Plutôt que pouvoir presque. Si je rajoute ça, cependant, normalement, je peux. Oh, ça dépasse. On a combien? Ah oui, on a que 15 et il en faut, je crois, une trentaine. 26, vous voyez. Donc, bon, dans 2 niveaux, on pourra... Ah non, même pas. Dans 3 niveaux, on pourra. Sauf si je pète un cube quelque part pour économiser. Et pour économiser, je pourrais péter un cube quelque part, effectivement. Ouais, bah on verra bien. Les amis, on verra bien. Il y a bien un cube que je peux casser quelque part qui servira à rien. Voilà, tiens, celui-là. Pour la forme, on casse les deux. Voilà. Et donc, dans 2 niveaux, chers amis, nous pourrons mettre cette 3e SMG à l'avant. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là-dessus pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, notre partenaire dans la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et partagez la vidéo et abonnez-vous. Ce sont deux excellents moyens que vous avez pour me faire connaître, les amis. Je vous en remercie. Voilà, encore une fois, je crois que j'ai déjà dit, je sais plus.